بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Le nom du Coran est le miracle éternel de notre prophète et nous verrons comment l'ordre et la répétition des mots sont soumis à la science divine. Dieu Tout-Puissant a révélé le Saint-Coran à notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le nombre de surat dans le Coran est 114. Maintenant, si on s'intéresse aux mots 114, donc 114e mot à partir du début du Coran, nous allons constater que c'est le nom d'Allah. Et il se trouve dans le verset 10 de Surat Al-Baqarah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Fi qulubihim maradun, fazadahumullahu maradan, walahum adhabun alimun bima kanu yakdibun. La chose étrange est que le nombre de lettres du début du Coran jusqu'à la fin du 114e mot, qui est Allah, est de 511 lettres. Et 511, c'est égal à 73 fois 7. On va voir à quoi correspondra le 73 et le 7. Si on présente les lettres alphabétiques du prénom Allah et on s'intéresse à l'ordre alphabétique arabe, on va voir le tableau suivant. Donc on a Alif, Lam, Lam, Ha. Et le numéro de l'ordre alphabétique, c'est 1, 23, 23, 26. On obtient 73. Subhanallah. Donc on voit bien 73 comme tout à l'heure. Le plus surprenant, c'est le verset où le nom d'Allah se répète le plus de fois, et le verset 20 de Surat Al-Muzzammil, où le nom d'Allah s'est répété 7 fois. Et le plus surprenant, c'est que le numéro de Surat Al-Muzzammil est 73. Donc on trouve les deux nombre 7 fois 73 est égal à 511. Donc on revient à la même chose. Subhanallah, que Dieu vous bénisse pour le suivi et pour vos précieux commentaires. Vous pouvez vérifier par vous-même en lisant le Coran et c'est le but, encourager tous ceux qui croient en l'unicité d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.